Salut amis Mécano, aujourd'hui je vous montre comment régler le problème de cette espèce de petit écran qui est juste là. C'est parti! Salut amis Mécano, et oui! Petit tuto, vite fait, bien fait, je vous aiguille un petit peu sur des choses simples et de tous les jours, tout simplement. En règle générale, cet écran a toujours tendance, les ampoules claquent. Les gens vont croire, il y a des moments que l'écran est mort alors que l'écran n'est pas mort. Attendez, je refais le focus sur moi. Et là, on va le déposer, puis je vais vous montrer comment changer les ampoules là-dessus. C'est aussi simple que ça. A tout de suite. Donc là les amis, nous voilà sur le devant du tableau de bord. C'est pas vrai, c'est vraiment pas sorcier à déposer la casquette de ce petit écran. Donc c'est vraiment pas sorcier, il suffit juste de tirer en arrière pour déclipser à l'arrière. Et hop. Et ensuite, il y a juste à débrancher la petite connectique qu'il y a juste là. Si je vais y arriver, comme ça. Et la casquette s'en va. Une fois que la casquette est déposée, il y aura juste les deux petites vis BTR qui sont là à déposer. Et une fois que tout ça sera déposé, je vous montrerai comment remplacer les ampoules. Là maintenant que la casquette est déposée, on va déposer les deux petites vis BTR et c'est du... c'est du torse, pardon. C'est du torse 15. Le torse 15. Deux petites vis en torse. Putain, ils ont serré ça comme des... On serrait ça comme des nukes. Ils ont pas compris que c'était du plastique, wesh. Ça sert à rien de serrer ça comme un dératé là. Bordel. Hop là. Hop là. Voilà. Une fois ça fait, on tire dessus, ça vient tout seul. On dépose la petite connectique qu'il y a ici. Attendez, je vous montre comme ça. Et là, ici, il faudra appuyer ici, comme ça. Il faudra appuyer ici et basculer le petit loquet, tout simplement, pour pouvoir le débrancher. On se retrouve tout de suite pour pouvoir changer les ampoules. Maintenant, nous voilà avec ce fameux afficheur. Donc, il y aura des moments où plus rien ne s'affichera. Alors bien sûr, vérifiez tout d'abord si vos ampoules sont pas mortes. Si vos ampoules sont pas mortes, c'est que c'est réellement votre afficheur qui est cuit. Cas échéant, faudra le remplacer. Il y en a sur AliExpress, il y en a sur Wish. C'est pas un problème, ça vaut que dalle et en plus c'est compatible. Donc, pour tous ceux qui auront un afficheur encore en bon état, comme moi, et qui a juste besoin de changer les ampoules, moi par exemple, ici, j'ai une zone d'ombre. Juste ici, là, j'ai une zone d'ombre. Ça veut dire que mon ampoule, ici, doit être fatiguée. Enfin, si j'arrive à l'extraire. J'ai oublié ma pince, en plus. Hop là, j'ai réussi à l'enlever. Hop là. Et là, comme vous pouvez le constater, je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer, mais l'ampoule est cuite. Alors, pour ce genre de petites ampoules, soit vous pourrez les acheter avec le support livré avec, parce qu'en fait, il y a des modèles où tu peux extraire l'ampoule qui est dessus. Ça sera une ampoule sans culot. Une petite ampoule sans culot comme ceci. Je ne sais pas si je vais réussir à bien vous montrer. Alors, c'est des ampoules... au niveau wattage, franchement, je ne pourrais pas vous dire... Mais ce genre d'ampoule, vous pouvez en trouver sur AliExpress, Amazon, Wish. Bon, je vous conseille plus Amazon. Vous prenez ça en prime, vous l'avez le lendemain, vous êtes tranquille. Et puis basta. Donc voilà. Une fois que vous avez bien sûr remplacé votre ampoule. Attendez, on va quand même contrôler les autres. Putain. Une tannée à déposer ça. Je vais aller chercher une pince, je reviens tout de suite. Je suis parti chercher ma petite pince high-tech.
Donc il suffit juste de faire un quart de tour. Et là, l'ampoule vient d'elle-même. C'est aussi simple que ça. Et là, je vois que celle-là, elle est encore bonne. Et voilà les amis, remettre un afficheur en état quand l'écran n'est pas complètement flingué, c'est aussi simple que ça. Remplacer les ampoules, c'est des petits quarts de tour, ça va tout seul. N'oubliez pas, bien sûr, de tout remonter convenablement, vous resserrez vos vis, vous remettez vos connectiques convenablement et vous remettez la casse-tête convenablement. Et surtout, vous faites attention à ne pas casser l'éclipse parce que vu que c'est du plastique, ça a tendance à casser très très vite. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de balancer un petit like, un commentaire, partager en masse, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification. Je vous laisse les amis. Allez, à très bientôt. Peace and love et paix sur vous.